Non seulement on est effectivement complice de ce drame humanitaire, mais on se rend complice de crimes de guerre dans ce pays. Il faut être très clair à ce sujet. Nous avons des règles de droit international, nous avons des règles européennes, nous avons des législations nationales qui sont, on pourra y revenir aussi, très claires sur la nature, sur les critères à respecter pour exporter ou non des armements. Et en ce qui concerne l'Arabie saoudite, je pense qu'on peut dire sans hésiter que tous les feux sont au rouge, et cela depuis bien longtemps.